Hello les abobos. Coucou. Coucou, c'est moi. Bienvenue dans mon deuxième vlog en Australie. Nous nous retrouvons donc à Townsville, là où je vous avais laissé la dernière fois. C'est ici que nous avons été logés chez des gens que nous avions rencontrés auparavant dans le camping à Alterton. Après plus d'un mois et demi en camping, nous avons enfin pu dormir dans un vrai lit et avoir une vraie salle de bain. Après une bonne nuit, le lendemain matin, nous avons pris la route pour aller à Magnetic Island. Alors Cam Cam, comme à la maison. Wow. Ah, la taille du roi. Alors là, on est sur un lookout de qualité à Magnetic Island. C'est vraiment super beau. J'adore. Vidéo pour vous expliquer un peu la situation. Donc là on est sur une île paradisiaque et en fait on a réservé notre week-end complètement à part de nos autres amis français. Et en fait il s'avère que les amis français venaient le même jour que nous sur la même île. Du coup on les a rencontrés sur le ferry ce matin. Même, ouais, les mêmes horaires de les ferry. Les mêmes heures ouais, et tout. Et comme par hasard, on a fait le début de l'aventure ensemble, on a été manger ensemble, etc. Et puis on a vraiment fait notre journée à part pour le laisser en amoureux. Et là, on sort de notre Airbnb, il y avait un petit grillage sur la vue d'une autre chambre. Et on entend Camille. Et il s'avère que c'était nos amis français. Ils sont dans le même Airbnb, enfin dans le même... Ils sont en train d'arriver. Ils en ont marre de nous, on les colle. Ça fait quoi d'avoir deux sangsues? Voici pour et voici colle. Where did you come from, Sydney? Go to the Brisbane for the New Year's. Alors petite explication what the fuck pour cette vidéo. En gros on avait été en bus jusqu'au port comme vous avez pu le voir. Mais le souci c'est qu'il n'y avait pas de bus retour. Du coup on a fait du stop. Et c'est un monsieur super gentil qui nous a pris. Il a carrément demandé à Camille de lui rouler une clope le temps qu'il nous conduise là où il fallait nous conduire. Et comme vous pouvez le voir je réponds complètement à côté de la plaque quand il me parle. Yeah, yeah. Après ça, nous avons passé une petite soirée film et on a dit au revoir à notre Airbnb. Donc là, je suis dans la chambre des gens qui nous ont hébergés pendant deux nuits. Donc on revient de l'île de Magnetic Island avec Camille. On y a été deux jours et une nuit dans l'Airbnb. Et là, du coup, ils sont venus nous rechercher tout à l'heure au port. On a mangé avec eux, ils nous ont fait des banana bread. On a été voir les kangourous, on a été voir les lumières de Noël. Ils voulaient jouer à des jeux de société avec nous, mais on était vraiment trop KO. Et on a décidé d'aller dormir parce que du coup, demain, on a 300 km à faire pour rejoindre les autres et faire le Noël dans un lieu magnifique. Donc voilà, ils ont vraiment été super sympas avec nous. On les adore, on leur a acheté plein de cadeaux et voilà. Hey. Oh, and check. Check.
Le lendemain matin, ils nous ont préparé un petit déjeuner pour avoir des forces et ils ont vidé leur armoire d'alcool et nous ont tout donné. Ils ont vraiment été super super gentils et voilà. Merci Hélène et Damien. Plein de gros bisous à vous. Et ensuite, nous avons pris la route en direction d'Early Beach. On a retrouvé les autres et on a fêté l'anniversaire des deux Cam. 1, 2, 3. Le vœu. Bon là les gars, du coup on est au port, la marina. On vient d'avoir nos petits enfants pour la plongée. On est avec les autres qui remplissent le formulaire. Ce qui on va rester 2 jours sur un bateau. Après avoir découvert le bateau, direction les Whitsunday. Alors c'est, nous trop retrouvons trop quelques minutes après, on a nos couchettes, Cam et Cola, Cam là, Théo et Noah là, et moi là. Voilà. Pendant ces journées, nous avons fait plusieurs spots de snorkeling, mais malheureusement, j'avais oublié ma GoPro, je n'ai pas pu vous filmer les spots marins. Mais c'était relativement similaire à la Grande Barrière de Corail. Qu'est-ce qui se passe, Camille ? C'est Coco le thon ! Nous sommes arrêtés sur un magnifique spot pour dormir et une fois la nuit tombée, nous avons vu nos premiers requins. Une fois le jour levé, nous avons mis le cap sur une des plus belles plages de l'Australie, Whitehaven Beach. Et il y a même un des Pirates des Caraïbes qui a été tourné sur cette plage. Tu peux nous expliquer ce qui se passe là? Là on va marcher 10 minutes et on va arriver sur la plus belle plage de Queensland. Attention, j'espère que vous êtes prêts. 3, 2, 1.
vodka citron et des raies. Et l'eau est super translucide, c'est trop beau. L'ombre que vous voyez dans l'eau, c'est en effet un requin citron. Et cerise sur le gâteau, en rentrant sur le bateau, nous avons pu voir des dauphins. Et même plein de grosses tortues qui venaient respirer à la surface. Après ces deux jours de folie, pour retourner au port, le capitaine a décidé de déplier les voiles. L'excursion Whitsunday a été un des plus beaux moments de ma vie, c'était vraiment magnifique. Et si vous venez un jour en Australie, je vous recommande vraiment d'aller voir cette île. Et voilà, c'est déjà fini pour cette semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être aussi nombreux à me suivre dans mes aventures. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Et gros bisous !